Attendez, qu'on essaye de faire un peu bien les choses. Bah, j'ai pas de trépied déjà, c'est le soir. C'est mal barré. C'est un bonjour, c'est un bonsoir, c'est un coucou. Comment ça va? Ah putain, incroyable. Mais non, je te crois pas. Oh là là. Bon allez. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va aller dans la salle de bain. Pendant que je fais ma petite routine, mes petites crèmes, machin, venez, on se parle, ça fait longtemps. Venez, je vous fais la bille. Allez, c'est parti. Ça fait longtemps. Franchement, ça fait longtemps. Ce serait bien que je reprenne un petit rythme de vidéo, quoi. Tu vois que... Parce que même moi, en plus, ça me met dans une énergie agréable. Pourquoi mes cheveux sont plats? En ce moment, mes cheveux sont aussi plats que mon cul. Vraiment, je vous montre mon cul, il est plat. Oh non, j'ai pas assez de recul. Mais regardez, c'est pas beau. Ils ont séché à l'air libre. Regardez, ça n'a aucun sens. Je vais les couper et je vais redevenir blonde comme avant. Parce que ça va bien deux secondes. Ouais, j'avais envie de vous parler un petit peu, de vous raconter comment va la vie, comment se passe la vie pour moi, la vie pour moi finalement, parce que finalement je me filme moi. C'est quand même très narcissique, hein, YouTube, enfin, les réseaux sociaux, tout ça, l'influence. On va pas se mytho, on s'est très axé sur nous, ou alors sur notre maison, comment on range, comment on mange, comment on s'habille, comment on vit, comment tout ça. C'est quand même très très narcissique, c'est pas une nouveauté, j'apprends rien. Il y a des moments où je me dis, putain, wow. Mais c'est pour ça que le podcast... Putain, faut que je vous dise un truc sur le podcast. Faut vraiment que je vous dise un truc. Il y en a qui s'en foutent des podcasts et tout. Franchement, je comprends. Écoutez-moi deux secondes. Je vais être en live. Enfin, avec genre vous, on va être sur scène. Mais pas qu'une fois en plus. C'est pas juste un one shot pour se flatter l'ego. Ça va être un peu redondant. Et la seule chose que je peux vous dire pour l'instant, c'est réservez votre 19 juin à Paris. On va commencer par Paris, déjà. Et ça va être une soirée immersive, un peu. Immersive. Il n'y aura pas une scène où je suis là, et vous êtes là. On sera tous au même niveau. Et vous allez intervenir avec moi. Il va se passer des choses chouettes. Ça va vraiment être un moment, j'espère, merveilleux pour nous tous. Ça va pas être filmé. On veut pas que ce soit filmé. Je ne veux pas que ce soit filmé. Je veux que ça reste un peu hors du temps, tu vois. Alors, ça va être en audio aussi, mais il y aura 500 places. Donc ça peut partir très vite comme ça peut partir très lentement. Mais si vous avez envie d'être là, et ben venez. Si vous avez envie qu'on se rencontre, si vous avez envie d'échanger sur ce dit thème, je ne vous en parle pas pour le moment, mais bientôt. Ce que je peux vous dire, c'est que ce sera un 19 juin. Réservez-moi le 19 juin. Et oui, et ce que je vous disais, c'est que je suis très heureuse d'avoir un endroit où tout n'est pas centré sur moi. Je vous avoue, ça me fait beaucoup de bien, parce que je suis quand même une meuf assez narcissique. J'ai un certain narcissisme, ok. Et donc, en effet, le podcast me fait beaucoup de bien, parce que je suis très à l'écoute, en fait, des histoires des gens, de ce qu'on me raconte. Alors, évidemment, parfois, j'y mets un peu de moi, et j'essaye de faire un lien, parfois, avec ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai pu penser à une période donnée et tout. Mais voilà, en tout cas, ça me permet vachement d'apprendre sur les gens, sur la vie, sur moi, au final. Et sur le dépassement, sur l'audace, parce qu'au final c'est ça le podcast, c'est vraiment être audacieux quoi, c'est se dépasser dans un truc, donc c'est très cool. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vraiment je suis dans une période un peu étonnante. Ben, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. J'ai depuis quelques mois, peut-être parce que je suis en analyse et c'est certainement ça la raison, mais j'ai décidé de dire les choses aux gens. Alors vous allez dire quoi? D'où toi tu fermes ta gueule? En fait, je parle de plein de choses sur les réseaux sociaux, mais il y a plein de choses que vous ne savez pas non plus. Et ce que je peux vous dire, c'est que pendant longtemps, je dirais même toute ma vie, j'ai un peu fermé ma gueule dans les relations amoureuses, amicales, plutôt amicales, dans ma famille aussi, parce que j'avais peur qu'on m'abandonne, j'avais peur qu'on ne m'aime pas, j'avais peur qu'on m'aime moins, donc je me taisais et moi-même, je me coupais l'herbe sous le pied en permanence. J'avais peur de mal faire, j'avais peur de blesser aussi. Et en fait, depuis, je dirais, 2-3 mois, j'ai commencé à dire un peu plus les choses aux gens. Ça a commencé dans ma famille, en fait, avec ma mère, où j'ai dit des choses... Je lui ai dit plein de choses, ça a été hyper dur pour moi d'oser dire tout ça, j'étais en chialax fois 1000, mais ça a été important de les dire. Et au final, comme elle les a reçus et tout ça, c'est presque secondaire, j'allais dire. Il y a eu ma mère, où maintenant du coup les choses sont beaucoup plus agréables, parce que finalement bah, j'ai dit ces choses-là, donc voilà. Et il y a trois amis ou trois relations. Un ami que j'adore, où on a remis les choses au clair, lui avait besoin de les remettre, et moi aussi. Et bah du coup, ça s'est vachement bien passé, parce qu'on s'est vachement entendu. Des choses que j'ai pu dire à une copine, un peu une collègue, et du coup ça a réaxé plein de choses dans notre...
Enfin, ça a relaxé plein de choses, j'en sais rien, mais du coup, les choses ont repris place. Je sais pas si ça se dit. Et puis, surtout, il se passe quelque chose dans ma vie qui est hyper difficile. C'est une rupture amicale. J'aimerais bien faire un épisode un jour sur ça. Pas forcément de parler de ce que je vis, mais de parler des ruptures amicales, parce que c'est un truc, c'est un sujet. Je pense qu'on a tous vécu des ruptures amicales dans notre relation, dans notre vie. Et voilà, je suis en train de vivre un truc depuis un petit temps maintenant, avec une personne que j'aime beaucoup, qui est dans ma vie depuis plus de 15 ans, et où bah, j'ai décidé de dire stop à certaines choses qui ne me convenaient pas. Et ça a été très dur. Mais en même temps, je ne me voyais pas faire autrement. Je ne me voyais pas me taire. Putain, je ne sais pas où vous mettre et où me mettre, où me poser. Il n'y a pas de lumière ici. Depuis ces quelques mois où j'ose me confronter à l'autre, je me sens alignée de dire les choses. Et en même temps, c'est hyper dur pour moi. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est une période un peu étonnante. Et en même temps, voilà, j'ai la sensation de me respecter de plus en plus, en fait. Parce que j'attendais vachement que les gens me respectent plutôt que moi de me respecter. J'attendais que les gens m'aiment plutôt que moi de m'aimer. Et qu'en fait, là, depuis quelques mois, c'est la première fois où je me dis, tiens, en fait, finalement, je peux faire sans l'autre. Ma vie peut être aussi bien sans l'autre et je peux exister sans l'autre. En fait, m'autoriser à exister sans l'autre. Je sais qu'on est pas mal à être dans cette situation de la peur de l'abandon et de la peur de la trahison et du non-amour permanent. Du coup, on rouge son frein, on dit rien, on veut pas blesser, etc. Et que là, bah, j'ai dit stop. Et voilà, et donc après, ça met aussi en perspective qu'est-ce que c'est l'amitié, quoi. De qu'est-ce que j'attends d'une amie, qu'est-ce que je dois mettre une limite. Ou est-ce que ça se dit pas? Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Je suis un peu là-dedans, il y a des relations où c'est tellement genre... les mots sont à la bonne place et les comportements de chacun sont au bon endroit que du coup, il n'y a pas besoin de mettre des limites dans la relation. Et là, pour le coup, je pensais qu'en fait, c'était... Je pensais que c'était OK. Et au final, j'ai été très surprise. On n'avait pas du tout la même vision de l'amitié. Et je dis pas que sa vision est moins bonne que la mienne. Pas du tout, c'est juste... on fonctionne différemment. Donc voilà, tout ça pour vous dire ça. Putain, j'ai pris 10 minutes pour raconter ça. Mais voilà, je suis en plein dedans, donc c'est pas évident. Écoutez, demain, je pars en vacances dans le sud. Sachez que nous sommes fin février. Vous allez voir si elle est postée, genre, à mon avis, elle sera postée genre mi-mars. Pourquoi? C'est parce que je sais que, dorénavant, j'ai accepté complètement que je filmais un peu comme ça, que je vous oubliais 2-3 jours. Et bah là, ça va être le cas. Là, on est parti quelques jours dans la famille de mon mec. Et là, on part dans le sud, entre Aix et Marseille. Pourquoi? Parce que pourquoi pas. Franchement, parce que pourquoi pas. On va voir des amis. Et puis, on a décidé aussi d'aller voir un peu comment c'était là-bas. Parce que c'est pas très loin de chez nous. Et après, je vais à Paris pour le travail. Et puis après, je reçois mes parents. Et après, ma meilleure pote sera là. Enfin, bref. J'ai une vie, mais écoutez, incroyable. Bon, allez, on se reprend bientôt. Je lui. Allez. Je viens de mettre ça. C'est une crème de jour avec un SPF 50. Paula's Choice, super. Et on finit avec ce petit spray, enfin ce gros spray de chez Revlon, que je mets sur mes cheveux pour un peu les démêler et ça vient aussi les hydrater. Et ça sent extrêmement bon. Ah bah oui, vous avez pas vu? J'ai coupé mes cheveux et je les ai blondis. Là, ça se voit pas tant. C'est pas tant avantageux comment je me montre. C'est pas grave, hein, on a l'habitude. Ouais. Putain, vraiment, je me montre... ça va pas du tout, hein. C'est pas très joli comment je suis, là, ma gueule n'est pas très belle, hein. Venez, on s'en fout. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude, en général, de bien se montrer sur les réseaux sociaux. Bon, bah, this is la vraie vie aussi. Putain, vraiment, j'ai une petite réaction, là. Pourtant, c'est les produits que je mets habituellement. On va se mettre là-bas. Alors... Bon, mais écoutez, mais ces petites taches ne partent pas. C'est quand même marrant parce que j'ai une peau assez particulière, hein. C'est pas du tout le sujet, mais si je me rapproche, vous voyez, je n'ai aucune imperfection. Je n'ai pas de boutons. Genre, ma peau va très bien, mais j'ai des trucs sur ma peau où vous voyez que là, je suis rouge. Là, j'ai une petite trace blanche. Là, j'ai des taches. Et je ne sais pas pourquoi. Et je sais que c'est pas du tout en lien avec les produits que je mets. Mais je comprends pas. J'ai même mis ma peau, mon visage dans une machine pour voir comment ma peau était. Et en fait, on ne sait pas d'où ça vient. Donc, je mets des produits assez doux, pour pas m'agresser. Mais de temps en temps, j'ai ça et je sais que ça va se calmer à un moment.
Pas grave, je me montre telle que je suis hein, devant vous. J'avais envie de vous parler en effet de mon métier parce que vous le savez, si vous êtes assidu sur les vlogs et tout ça, on est vraiment dans ma tête là, mais je ne sais pas faire ce truc de sortir ma caméra tout le temps, d'y penser tous les jours. Je n'ai pas ces réflexes là. Genre je ne les ai pas. C'est pas que j'ai pas envie, hein. C'est que souvent, le soir, je vais me dire « Putain, je l'ai pas fait. Je l'ai oublié. J'ai oublié. J'oublie de filmer. » Et c'est quand même mon métier. C'est assez dommage. Et en même temps, voilà, je suis assez authentique. Non, pardon, authentique avec ce que je vous propose. Je suis dans un truc spontané où il n'y a rien de réfléchi. Je sais pas si ça me porte préjudice, mais je pourrais surfer sur les tendances parce que j'ai essayé, hein. J'ai essayé de faire ça, mais en fait, je suis pas alignée avec ce que je suis, ce que je vous propose. Il y a un truc où je me dis, hey, je suis pas honnête, c'est pas comme ça que je suis. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pour ça qu'on te kiffe. Et tant mieux, franchement tant mieux, parce que si vous m'aviez dit, Juju, il faut vraiment que tu sois dans les tendances, il faut que tu fasses les trucs à la page, je vous dirais, hey, merde, putain, je suis dépassée, putain, j'ai vraiment une moustache, quoi. C'est chiant parce que du coup, mes vidéos, c'est une fois par mois, quoi. C'est dommage, mais c'est comme ça, j'espère que ça vous va. En tout cas, je vous propose du contenu aussi ailleurs, hein. Il n'y a pas que YouTube, je vous le dis, il y a aussi Instagram et TikTok un petit peu. Mais pour une meuf de 35 ans, bientôt 36... Bah, je trouve que j'essaye quand même quelques petits trucs, tu vois. Oh, j'ai une petite mine aujourd'hui, hein. C'est le début des règles. Vraiment, le début des règles me met à chaque fois KO. Je suis épuisée physiquement, on a l'impression que je suis malade, alors que pas tant. Donc, on fait abstraction. Voilà, on se dit, ok, Juju, elle a pas une petite tête, On next. Je viens vous parler du sponsor de la vidéo, du partenaire de la vidéo, de la collaboration de cette vidéo. J'ai pas l'habitude forcément de parler de ce genre de choses ici, et pourtant c'est quelque chose qui a quand même pas mal changé dans ma vie. Comme je vous l'ai déjà dit, ici et ailleurs, j'ai eu une petite conscience écologique il y a géré une petite année. Et les petites choses que j'ai mis en place dans ma vie sont les suivantes. Nous avons un compost dans notre jardin, donc nous l'utilisons. Ça c'est quand même une première chose sympa. On essaye de plus en plus de manger de saison et local. On n'y arrive pas toujours, mais on essaye de le faire au maximum. De moins manger de viande rouge, parce qu'on sait que manger de la viande rouge tous les jours, bah, c'est pas assez fou pour l'écologie. L'autre chose, nous n'avons pas pris l'avion depuis plus de 5 ans. Et c'est vraiment pour des raisons écologiques, parce qu'on veut faire attention à notre empreinte carbone. Alors peut-être qu'on va bientôt partir en vacances, en avion, peut-être, parce qu'on en ressent l'envie fortement. Ouais, ça fait plus de 5 ans, je crois. Et bon, voilà. Et puis l'autre chose, c'est que j'ai changé de banque. Il y a maintenant, je dirais, ouais, une petite année aussi. Au détour d'une conversation avec un pote, on a commencé à parler de ça. Et en faisant mes recherches sur Internet, je suis tombée sur Gringot. Donc, ce que je trouve à chaque fois génial, c'est ce que je vous dis, c'est de consommer ou en tout cas d'utiliser les services et ensuite travailler avec la marque. Bah là, c'est le cas avec Gringot. Gringot, c'est une banque, j'allais dire, un peu plus éthique que les banques classiques. En fait, il y a un an, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que notre argent en banque ne dort pas. Moi, je croyais, tu vois, genre, j'avais un peu de sous en banque. Et c'est tout. Et en fait, pas du tout. Notre argent ne dort pas. Donc, les banques, elles utilisent notre argent. Et pour le coup, dans des grosses banques, toutes les grosses banques qu'on connaît, en fait, c'est la première source d'émissions de CO2 parce qu'en fait, ils utilisent notre argent. Ils investissent dans le pétrole, dans le gaz, dans le charbon, etc. Donc, évidemment, ça défonce la planète. Et moi, j'en avais un peu marre de participer à ça de manière involontaire, quoi. Et justement, quand je me suis renseignée il y a un an, Gringot, en plus carte très mignonne, je vous en parle juste après, est apparu parce que bah, du coup, ils investissent notre argent pour construire des trains, développer l'énergie renouvelable. Ils travaillent main dans la main avec des experts du GIEC. En fait, ils sélectionnent les investissements pour financer un monde zéro carbone. Gringot, c'est une banque française, c'est une banque en ligne qui est française, où c'est un service client avec des humains derrière, il n'y a pas des robots, c'est vraiment des vrais humains qui nous répondent. Notre argent est 100% sécurisé et garanti par le mécanisme des fonds européens, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas c'est une banque safe, on n'est pas sur une banque un peu chelou, on est vraiment sur une banque très très fiable. On peut aussi ouvrir une assurance vie chez Gringot, et ça c'est nouveau depuis pas très longtemps, donc ça c'est vraiment très très cool. Il y a zéro frais, quelle que soit la devise, à l'étranger. On peut retrouver la carte dans Apple Pay et Google Pay. Donc ça c'est comme on a notre petit portefeuille de cartes, n'est-ce pas? Et je termine en vous disant que Gringot est un compte courant en France et en Belgique pour les particuliers et les micro-entreprises avec cette possibilité en effet de faire cette assurance vie. Et pour terminer, vous avez 2 mois offerts avec le code on vient de la part de Juju, parce que je trouve que c'est sympa quand même comme nom. Vous avez 2 mois offerts pour les 1000 premiers utilisateurs. Vous avez vu comment elle est trop mimes la carte? C'est une Mastercard.
Voilà, je sais pas si ça vous a donné envie. Pour ma part, je suis ravie d'avoir mis mon argent chez Gringotts. Ça a quand même changé pas mal de choses dans cette réflexion de conscience écologique et de se dire que bah, notre argent peut servir à des fins vraiment utiles. Vous avez les infos ici à l'écran et dans la barre d'infos. N'hésitez pas à les regarder. Ça prend pas longtemps, hein, pour être très honnête, pour changer de banque. Je crois que c'est genre 6 minutes. C'est vraiment assez rapide. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. On continue avec la vidéo. Bon, j'aimerais pouvoir prendre le temps de vous parler, mais c'est pas trop le moment. Il y a mon mec qui parle à sa mère et tout, c'est pas le moment. Mais j'ai envie de vous parler parce qu'en fait j'ai mal au ventre et j'ai envie de vous parler de ça. Est-ce que je le fais alors que je suis en train de faire à manger? Pourquoi pas, il y a du bruit autour, vas-y, c'est pas très grave. Je voulais quand même vous parler un petit peu du poids, de la nourriture, de où est-ce que j'en suis dans tout ça. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que bah, ça fait depuis le mois de janvier que je marche pas quotidiennement, mais assez souvent. Ça a vraiment changé comparé à avant. Que mon alimentation a un peu changé quand même, c'est-à-dire que je mange des légumes à chaque repas. Ce qui paraît alors d'une banalité sans nom pour vous, mais pour moi, bah, c'est pas si banal puisque bah, je me suis rendu compte que je mangeais pas tout le temps des légumes. Et donc là maintenant, à chaque fois, j'ai des légumes dans mes plats. Quand je grignote, j'essaye de manger des bananes, tu vois, de manger des meilleures choses pour la santé. Je n'ai pas perdu un gramme et je n'ai pas pris un gramme depuis le mois de janvier et nous sommes en mars. Donc au début, je veux bien entendre que c'est le corps qui se remet en marche, que peut-être que si je prends pas de poids, c'est parce que bah il y a les choses qui sont en train de se mettre en marche. Si, j'ai même pris 2 kilos, en fait, j'ai pas vomito depuis le mois de janvier. Donc il y a pas mal de gens qui me disaient « Ouais, mais c'est peut-être les muscles, c'est peut-être tout ça. » Je suis pas si sûre. Donc j'ai écrit à une médecin en lui demandant une prise de sang. Et surtout, la nouveauté, c'est que j'ai extrêmement mal au ventre. Alors vraiment, c'est pas glamour. J'ai des crises d'aérophagie depuis quelques temps, genre depuis le mois de janvier. Un peu au moment où j'ai commencé. Donc je vois pas comment je pourrais faire le lien. Déjà, j'ai pas un ventre plat de base. Mais le soir, j'ai un ventre de femme enceinte de 3-4 mois. Et je pète. Et ça me fait mal au ventre. Genre, ça me fait vraiment mal. Faudrait que je vous montre là. Mais est-ce que vous voyez? Je pousse un peu. Je pousse un petit peu. Mais j'ai vraiment genre un gros bide, un gros ventre rempli d'air. Et je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai contacté un médecin généraliste en lui disant franchement la cousine ça va pas. Il m'a dit ok, je propose de faire une prise de sang globale, voir déjà comment ça va dans ton corps. L'insuline, la glycémie, machin. On va faire aussi un test de ton ventre, des selles, pour voir s'il y a une bactérie. Il n'y a rien, donc je ne sais pas ce qui se passe au niveau de mon ventre. Et l'autre chose, c'est que, bah, au vu de ces prises de sang, on s'est rendu compte que la glycémie et l'insuline à jeun, c'était pas si fou. Elle m'a dit, bah franchement, ça peut être peut-être l'une des raisons qui fait que vous ne perdez pas de poids. Peut-être que vous faites une insuffisance de la résistance, pardon, à l'insuline. J'ai un pote qui me dit, franchement, va faire un check. Et fais un check qui s'appelle l'indice HOMA, H-O-M-A, pour voir si tu fais de la résistance à l'insuline. Je le fais. Et il faut être en général entre 0,70 et 2,5, un truc comme ça. Je suis à 9. Donc en fait, ça explique pourquoi je ne perds pas de poids. C'est parce que je fais de la résistance à l'insuline. Pourquoi je vais mettre les pattes dans l'assiette de mon fils? Et j'en reviens. En vrai, l'une des raisons à ça serait parce que j'ai fait plein de régimes dans ma vie. Que bah, je suis second, donc bah, au bout d'un moment, le corps, tu vois, il sécrète plus assez d'insuline. Enfin, je sais pas exactement. Mais en gros, je fais une résistance. Donc, bah, j'ai des médicaments, là. J'ai des médicaments pendant 6 mois pour voir, pour faire en sorte de relancer un peu la machine et voir si ça peut m'aider à perdre du poids. Ça a fait 10 jours, là, que j'ai commencé. Je ne vois pas de différence pour le moment. Et en plus de ça, bah, j'ai mal au ventre. Je me sens pas bien dans mon ventre, quoi. Et donc, c'est vraiment assez chiant. Ah, bah, là, on voit bien le blond. Et la coupe de cheveux. Donc c'est vraiment relou. Ça me démoralise pas, mais c'est... Je suis dans un état de putain, je suis en train de mettre des choses en place et j'ai l'impression que ça sert à rien. Tu sais que rien bouge, alors je sais que ça peut prendre du temps. Mais là, ça me saoule un peu, quoi. La première fois de ma vie où justement, je fais gaffe et il ne se passe rien. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Voilà où j'en suis, avec la nourriture et le corps et tout ça. Bah là, je me demande s'il faut pas carrément que je m'affame un peu. J'en suis un peu à là, hein. Donc je suis un peu dans une impasse, quoi. J'espère que ces médicaments vont m'aider, quoi. J'espère vraiment... L'idée n'est pas que je devienne mince, hein. C'est pas du tout le projet, quoi. Enfin, en vrai, je m'en fous. J'ai juste envie de me sentir mieux dans mon corps et de plus avoir de problèmes de santé. Honnêtement, c'est ça que je me veux, hein. Que je me souhaite. Donc... On se reprend plus tard, faut que je range et tout, voilà. Voilà.
purée, un truc. Bonjour. Vous avez vu? C'est mon petit déjeuner. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé ça sur TikTok et je trouve ça génial. Ça s'appelle un bowl cake. Moi, j'ai pas mangé pendant des années puisque je fumais et que c'était mon petit déjeuner avec un café au lait. Et maintenant que j'ai arrêté de fumer, je ressens l'envie de manger un truc. Je trouve ça excellemment bon. Et en plus de ça, ça me cale. C'est des flocons d'avoine mixés. Vous avez tout vu, hein, un œuf, du yaourt skyr, levure chimique, un peu de sirop d'agave, ou ça peut être autre chose. Tu mets au micro-ondes et après tu mets les toppings que tu veux. Et moi en ce moment je mets peanut butter et petite pépite de chocolat avec une banane. Comme ça c'est genre, ça me tient au corps jusqu'à midi 13h, 30, 14h. Je voulais vous reparler de ça parce qu'en fait je vous en ai parlé un petit peu avant du poids, du corps et tout, du ventre. En fait cette nuit j'ai très mal dormi parce que je pensais à mon ventre constamment. Cette sensation de ballonnement, comme ça, c'est vraiment extrêmement désagréable. Hier, j'étais en live sur Twitch et il y a une meuf qui a dit, tu sais, il y a une nana sur YouTube qui a commencé à avoir des problèmes comme ça et puis qui a eu un cancer, en fait. Donc, bah évidemment, j'étais pas bien. Mais au-delà de ça, en fait, j'avoue, pour cette histoire de poids, parce que c'est surtout ça, parfois, je suis démoralisée parce que jusqu'à maintenant, je comprenais pourquoi je perdais pas de poids parce que j'ai un problème d'insuline qui n'est pas régulé. Donc maintenant que j'ai des médicaments depuis une dizaine de jours, logiquement, je devrais commencer à perdre du poids. Je ne perds pas. Quand je vois ce que je mange, ça c'est en plus c'est pas du lait, moi je bois pas, c'est du kéfir. Parce qu'apparemment c'est bon pour la flore intestinale, machin, etc. Enfin je mange normalement en fait, et une fois dans la semaine, je me fais un fast food. Mais genre pas forcément McDo, tu vois, genre un bon burger, et parfois un sushi. Donc ça fait deux dans la semaine. Mais sushi, oui c'est un peu fat le sushi, mais c'est pas ça normalement, au vu de comment j'ai changé mon alimentation, je devrais perdre du poids. Avant, il y a vraiment genre quelques mois, voire quelques années, voire quelques mois en vrai, je faisais un peu gaffe, genre comme Manon, sans marcher et tout ça, hein, je perdais hyper vite. J'ai pris 2 kilos. Donc c'est qu'il y a un problème, il y a un vrai problème. Je vois bien que c'est pas moi, c'est plus mon alimentation. Je pourrais faire plus de sport, mais vas-y, tranquille. Là, j'essaye de marcher tous les deux jours en ce moment, j'ai un peu la flemme, j'avoue. Mais ça me fait chier. Ou alors, il faut que je sois dans un truc vraiment drastique et m'affamer un peu, mais franchement, non, j'ai pas du tout envie d'être là-dedans. Donc... Non, franchement, c'est relou. C'est relou. J'ai l'impression qu'on se retrouve pour la énième fois dans ce garage. Mais en fait, non, je vous amène jamais. Mais moi, j'y suis très souvent. Et très souvent, je re-range. On fait ça. Et là, en fait, c'est pas possible parce qu'à chaque fois, c'est le bordel. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Pas très intéressant, mais je vais mettre un peu un time-lapse. Time-lapse après. Comme ça, ça va être bien. Normalement, les garages, c'est aussi pour mettre des voitures. Nous, non. Je vais vous montrer. Regardez juste ça, bon pas la vaisselle, mais mon mec il est en train de passer ce truc là, genre de je sais pas quoi là, pour faire en sorte qu'on ait de la bonne terre, enfin bref. Alors, ça ressemble à ça, on vient très souvent ici parce que on a notre genre de buanderie ici avec les machines et le frigo, et ensuite c'est le garage. Donc, on a acheté ces trucs-là parce que c'est vachement bien. Quand je suis arrivée ici, je me suis dit « Hey Juju, achète-toi un vélo électrique avec un truc où tu peux mettre ton AFN derrière. » On l'a fait deux fois. Donc en fait, ça, je vais le vendre. Je vais garder le vélo électrique. Ici, il y a des choses à vendre. Là, il y a des trucs qu'on va donner et tout. Et surtout, après, ici, c'est une montagne de choses, tu sais. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et ici, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup des anciens ordi au cas où si on a envie de les vendre. Et des produits ménagers. Et j'en achète parfois en double, en triple, parce que je vois même plus ce que j'ai. Donc on va tout re-ranger. Là, j'ai fait ça, là, pendant que j'écoutais un petit podcast. Alors oui, regardez, c'est des bouteilles en plastique. Vous avez le droit de me taper sur les doigts. Ça faisait un moment qu'on n'achetait plus de bouteilles d'eau comme ça, parce que écologiquement, c'est quand même de la grosse merde. Et en fait, je sais plus ce qui s'est passé, mais un jour, on l'a refait. Et depuis, on a du mal à s'en défaire. Voilà, et ici, j'ai tous les sacs de sex toys, de trucs en tout genre. En fait, il n'y aura pas de timelapse parce que je sais pas où vous mettre. Mais ça avance. Je vais étiqueter. J'ai pas terminé. Hein. Ça va avancer. Ça fait 10 minutes que j'y suis. Étiqueter chaque truc. Là, c'est multi-usage. Là, c'est un peu la même chose. Ici, c'est pour la lessive. Ici, c'est les insecticides un peu naturels. On essaye. Ici, c'est pour le lave-vaisselle. C'est pas mal, hein. Je vais mettre des petites étiquettes après. Oh, hey, on sait s'amuser ici, hein. Désolée, hein. Non, j'ai pas envie de m'excuser. J'ai pas m'excuser. Juste, je suis rouge. Pourquoi? Parce que je suis dans le garage. Mon mec est en train de retourner la terre. Il y a du soleil. Bon, je me demande si je suis pas TDAH. Non, je vais vous dire pourquoi. Déjà parce que vous êtes très nombreux, nombreuses à me dire que vous pensez que je le suis. Je vous le dis d'avance, je sais très bien que je ferai pas les examens et je ferai pas tout ça parce que j'ai vraiment la flemme. Mais là, je vous ai dit, je vais ranger mon garage.
Finalement, je suis en train de mettre du café dans ma machine à café parce que j'ai envie de me faire un café. Quand j'ai commencé à prendre un truc ici, je me suis dit, ah tiens, j'ai pas pris mon collagène aujourd'hui. Je suis allée prendre mon collagène. Après, je suis allée prendre un truc de ce côté-là et j'ai vu que mon petit compost était rempli. Donc je me suis dit, il faut que j'aille le jeter au compost. Je n'arrive pas à me centrer. C'est fou, hein. Genre mes pensées, elles sont tout le temps à droite, à gauche. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que, comment je peux vous dire ça? Mes pensées sont en permanence là. Je me contredis beaucoup et j'arrive pas à me canaliser dans mes pensées. Voilà, c'est tout. C'est une info balancée comme ça. Je vous ai dit, on fait des vidéos qui s'appellent DMT dans ma tête. Vous êtes dans ma tête, vous m'accompagnez dans ma tête, dans mes pensées, de ce truc de « Ah, il faut que je fasse ça » et puis j'ai ouvert. Regardez. Je suis donc dans le garage. Je commence à bien avancer, hein, j'ai fait ce genre de choses. J'ai voulu prendre une étiqueteuse, tu vois, pour bien tout étiqueter. Après, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà dans quel état ça se trouve. Le café, le compost, tout est ouvert, tout. Voilà, c'est... Peut-être que je le suis pas, mais voilà. Sans rigoler, 2 heures plus tard. Pour vous, ça va sembler peut-être pas un énorme rangement, mais en fait, on a vraiment genre rangé et trié. C'est pas ouf, mais on a fait ce qu'on a pu. Ça, c'est tout ce qu'on va vendre ici. Pas mon vélo. Ça, je le garde, mais le reste, on va vendre. Là, on a bien, bien tout rangé. Regardez si c'est pas merveilleux. J'ai fait ça. C'est super. Produits ménagers, éponges. J'ai tout bien fait. Alors, on a fait comme ça. C'est pas où. Je sais pas pourquoi je vous montre ça, hein. Franchement, ça m'échappe un peu, mais j'aurais dû faire un timelapse. Mais j'y arrivais pas, enfin, je savais pas où est-ce que je pouvais le faire. Je me suis mis une blinde de crème sur la gueule parce que genre j'ai été vraiment dans la poussière à fond. Mon mec a fait donc un truc. Il a retourné toute la terre. Pas de commentaire, d'accord? Pas de commentaire, c'est son kiff. Il voulait avoir une belle pelouse, ça fait quand même un mois et demi qu'on est déjà ici, qu'il n'arrive pas à avoir une belle pelouse, mais il se donne les moyens, il est allé louer une machine et tout. Bon, vraiment, je ressemble à rien là. Super bouquin pour les enfants. Il est à côté, donc je vous le montre. On n'est pas sur une journée productive de contenu, de machin, on est vraiment sur une journée rangage de maison, nettoyage. Ah si, putain, il faut que je vous parle d'un truc, mais pas maintenant, parce que là, je dois aller chercher mon affaire, mais je vous en parlerai bientôt. C'est un nouveau jour. Est-ce que vous avez bien dormi? Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, si c'est le matin. Peut-être que vous regardez cette vidéo le soir, du coup vous vous souvenez pas si vous avez bien dormi. Parce que moi ça m'arrive souvent de pas me souvenir. Bref, moi j'ai moyennement bien dormi. Et j'ai un moral un peu genre... je suis un peu saoulée en fait. Je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo, je sais, du poids et tout, mais en fait vraiment, mon alimentation a changé. Je mange correctement, je mange de tout, je mange beaucoup plus de légumes, je grignote plus entre les repas. C'est le jour et la nuit et je perds pas un gramme. Depuis que j'ai commencé à mieux manger, à marcher, j'ai pris 2 kilos depuis le mois de janvier. Faudrait m'expliquer quand même, c'est la première fois de ma life que je fais des choses pour perdre du poids et que j'en prends. C'est quand même un monde. Jusqu'à maintenant, quand je faisais attention, comme ce que je fais là maintenant, eh ben je perdais, mais si vite. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, parce que l'année dernière, j'ai arrêté le gluten, par exemple, pour essayer. J'ai mangé les aliments dans le bon ordre, là, j'ai fait tout ça, et j'ai perdu 10 kilos en 2 mois, sans faire énormément d'efforts. Et là, il se passe rien, c'est l'opposé. Il faut que je m'affame, en fait. Parce que vraiment, je vous montre ce que je mange. Je mange, c'est normal, c'est pas des quantités de ouf. J'ai réduit ces trucs-là. Je mange normalement. Hier soir, j'ai mangé un steak, des pâtes complètes, même des pâtes intégrales, avec beaucoup d'haricots verts et une compote en dessert. Le midi, j'ai mangé une salade. Le matin, j'ai mangé le bowl cake là que je vous ai montré dans la vidéo. Et j'ai pris 1 ou 2 cafés au lait d'avoine dans la journée. J'ai marché 1h30 hier. C'est très frustrant. Je vais essayer ça pour la première fois de ma life. Je dis des petits shampoings secs, mais pas celui-là. Apparemment, c'est un peu de la merde. Mais j'en ai marre d'avoir mes cheveux qui régressent si vite. On est quel jour là? On est un jeudi, je les ai lavés lundi. Bon, non, ça va, c'est cohérent, mais... Ok. Je déteste la sensation. Et un peu de crème solaire. Bref, voilà où comment ça se passe en ce moment dans ma tête et dans mon corps et dans mon cœur aussi, quoi. Je sens que mon corps, il est inflammé depuis longtemps. Parce que par exemple, vous voyez les rougeurs que j'ai sur le visage? Je suis convaincue que c'est lié à mon corps, à l'intérieur, aux intestins, au foie. Je sais pas pourquoi je suis convaincue de ça. Alors oui, je vous dis, je vous demande pas d'avis, hein, parce que bah, je pense que vous êtes pas médecin et que l'idée n'est pas non plus qu'on se tire dans les pattes avec des conseils qui vont se contredire. Bon bref, mais plutôt de... J'ai besoin de vous le dire.
de me plaindre. Comme à une copine, je vais me plaindre, genre ah, j'en ai marre. Et que moi j'ai un peu envie que vous soyez là en me disant franchement Juju, on comprend. On comprend, on te soutient, on est avec toi, tu vois. J'ai bien vous montrer la couleur de ma peau. Vous voyez, hein, c'est pas dramatique, mais je sens que ma peau est inflammée. Donc je vais éviter de mettre du maquillage et tout ça. J'ai essayé de la laisser reposer un petit peu. Non, mais je sens que ça déconne. Je sens que ma peau, elle déconne en ce moment. Que tout a... Il y a un truc qui déconne dans mon corps. Je le sens. Bon, allez, je m'habille et on se reprend plus tard. Bon, ma peau ne va définitivement pas bien en ce moment, hein. Comme vous pouvez le constater, j'ai même un peu des endroits où c'est sec, alors que je me mouche pas. Je comprends pas, voilà, on voit bien, je sais pas ce qui se passe. Habituellement, vous arrêtez pas de me dire, hey, Juju, t'as une super belle peau, et moi je vous dis, ouais, c'est clair. Et comme je vous disais, non, je sais plus à quel moment je vous ai dit ça, mais que je suis sûre que c'est en lien avec ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. On va finir la vidéo sur une petite réflexion que j'avais envie de vous partager. Je vais me nettoyer le visage avec vous. Je vais me faire poser un masque, là. Je sens que ma peau manque d'hydratation alors que j'aurais pas de lui en donner. Bon bref, c'est pas une miniature ça? Non. Alors, ce matin, je suis allée marcher et j'avais ma psy au téléphone. En fait, on a parlé de plein de choses et à la moitié de la séance, je vais parler de mon corps, de mon poids, des médicaments et tout ça. Et évidemment, j'ai pleuré. Et en fait, j'en ai tellement marre. Pas tant d'être grosse, c'est pas tant ça. J'en ai tellement marre de ne pas être en paix avec moi. C'est surtout ça le fond du truc. Pourtant, voilà, je suis en analyse avec ma psy, celle-là, depuis 4 ans bientôt. Mais j'ai 35 ans et depuis que j'ai, je sais pas, 15 ans, 20 ans, je vois des psys. Ça me fatigue qu'à 35 ans, j'en sois là, quoi. Tu vois, d'être dans un état de... Pas d'handicap parce que je sais faire des choses, mais de... En fait, c'est ça, c'est pour ça que j'ai pleuré avec ma psy. C'est que plus le temps passe, plus je grossis et moins je me trouve belle aussi. C'est pas forcément... Enfin, tu peux être très grosse et très belle, mais moi, c'est même plus une histoire de poids. C'est que quand je me regarde dans le miroir, je suis de plus en plus marquée. Bon, ça, c'est aussi le temps qui passe. Mais je m'aime de moins en moins, en fait. Je m'aime de moins en moins et c'est ça qui me rend triste aussi. Donc voilà, je suis pas malheureuse, je reviens. Je suis pas malheureuse, c'est juste... J'aimerais tellement enfin être en paix. C'est ça la finalité pour moi, c'est être en paix. Ah ouais, putain. Ah ouais, c'est ça. Je veux être en paix, je veux être tranquille, je veux plus que mon corps soit un problème, je veux plus que mon rapport à la nourriture soit une question. Peu importe le poids, j'ai envie de vous dire. Que je sois là, à ce poids-là, ou avec 20 kilos de moins. J'ai juste envie d'être en paix. Et ça me prend beaucoup de place dans ma tête depuis tant d'années. Je suis obsessionnelle, quoi. Il y a un truc où... Enfin, ouais, c'est difficile. Bref, je vais pas repartir dans des explications. Sauf si ça vous intéresse, et dites-le moi en commentaire. Si vous aimez quand je parle comme ça de mon rapport à moi, en fait. Parce que je pense que ça vous parle grandement. On va s'arrêter là. Sur un plan bof. Cette rougeur. Vous avez l'habitude. On se retrouve très bientôt dans une vidéo, hein. N'hésitez pas, je vous le dis, si vous êtes nouveau, nouvelle, je suis sur Twitch le lundi, le vendredi, c'est un endroit où je suis en live et où je vous prends au téléphone, où on parle de sujets profonds, pas profonds. J'ai un podcast le mardi qui sort tous les mardis à 5h du matin. Puis je suis sur Instagram et tout ça. Venez si vous avez envie. Il n'y a pas que YouTube qui existe. Vraiment, je suis active sur YouTube, mais c'est pas l'endroit où je suis le plus active. Donc si vous aimez ce que je vous propose... Venez sur tous les autres endroits. Voilà, prenez soin de vous. Merci d'être là, toujours, après presque 8 ans. 8 ans des réseaux où j'ai bien évolué, où j'ai quand même changé de contenu. Donc merci à vous d'être là. Merci du soutien. Merci de... Ouais, je me lance dans des remerciements. J'ai l'impression que je suis au César. Alors, merci beaucoup. Pour remercier mon père, ma mère et Caroline66 qui a dit un jour dans les commentaires, Juju, je t'aime bien.